Bonjour tout le monde, bienvenue sur Palmis avec Mapoulakay. En fait, nous venons parler de nous peut-être des précisions additionnelles sur causer 750 millions moustiques génétiquement modifiés que l'agence qui est responsable pour protection environnement par rapport aux États-Unis qui est l'EPA finalement by autorisation pour y laguer dans la nature, disons pour y laguer spécifiquement dans Florida qui pour 2021. En fait, nous devons justement porter des explications, ça information, ça voulait dire. Nous parlons de 750 moustiques qui génétiquement modifiés. Et font tout que gagner des citoyens, gagner des organisations. Des coalitions, des organisations qui bataillent pour la protection de l'environnement, qui justement est pas d'accord avec les projets ça. Parce que je dis, avec toute crise urgente que Florida a fait face, même avec l'autre state, ça nous est les pandémies de coronavirus là, nous gagnons racial injustice, nous gagnons climate change. So, yo même, yo pas de penser que c'était le bon moment pour utiliser. Et comme taxe citoyen yo pour yo vin faire expérience ça que yo même yo considéré comme ça ou ta relé yon Jurassic Park experiment. Yo di moment pas approprié pour te dépenser comme ça dans ce genre d'expérience. Gen trop problème urgent que moun yo a fait face nan moment là, OK? Et yo justement. Et dans une déclaration, il dit que, eh bien, Monroe County et District Control qui a rapport à moustique, finalement, by dernier permission qu'ils ont besoin pour que yo justement, lagué 750 millions de moustiques génétiquement modifiés en 2020 à 2002. Maintenant, question qu'a posée. Qui ça qui capable mal passer dans l'expérience ça? À la vérité, yo di nous pas connaît. Nous pas connaît parce que d'après un pile monde, EPA, qui c'est justement organisation qui pour protéger l'environnement, yo dit que de manière illégale refuser faire une analyse sérieuse sur risque environnemental. Expérience ça capable fait so, sans que le pas fait des révisions supplémentaires de risque là il dit que expérience ça capable continuer donc nous parlons de Environment Protection Agency et pas déclaration qui a été faite depuis mois de mai et donc il dit projet ça qui c'est pour eux-mêmes qui sont projet pilote il a besoin de tester si des moustiques qui génétiquement modifiés, capables d'une alternative avec insecticides que qu'on utilisait sous une espèce de moustique dangereux qui a des maladies mortelles tant que Zika, dengue, chikungunya, okay? Nous avons maladie fièvre ça en Haïti et fièvre jaune. Donc en fait, on essaie de comprendre bien. Nous connaissons que tout type de maladie, qui tire les Zika, qui tire les dengue, qui tire les chikungunya, qui tire la fièvre jaune, c'est des maladies qui provoquées par une espèce de moustique. Comprenez bien, maladie n'a pas les là, c'est des maladies mortelles. Et ils viennent de moustiques, d'une espèce de moustique et bien précis, je crois que c'est Égypte, bah, ça, et c'est moustique ça qui baille maladie ça. Donc, l'idée c'est quoi? C'est, voyez, et série de moustiques génétiquement modifiés ça pour être capable de détruire espèce ça espèce qui bail maladie Zika c'est à ça et moustique ça que ont modifié ils ont dit que ils ont modifié de manière à ce que pour que lui qui a dit ça pour que lui pas gain temps pour en fait depuis le commencé vin a grandi pour le capable en fait depuis l'a grandi il vin gain assez poids pour le mordre moun
pour lui mourir peut-être pas. Dans d'autres termes, il modifie lui pour qu'il pas vive longtemps. Vous comprenez? En parlant de moustique, ça a dit qu'il modifie pour que pour pas vivre longtemps. Fondou que c'est seulement femelle là qui mordé moun. OK? Et puisque le besoin sang pour capable mature aigli, mais et mal là lui même c'est nectar que lui qu'il consommait, donc il n'est pas vraiment un porteur de maladie. Tenez bien, so il modifie de manière telle que en l'aile en parlant de femelle là et avant que pour une capacité pour le mordre nous l'a bien temps mourir. C'est ça il dit dans modification de moustique ça. Donc il dit que li moustique ça qui génétiquement modifié a li joindre approval fédéral pour utiliser li tout dans Harris County qui dans Texas en 2001. Bien que yo dit fédéral approval, mais state Texas dit lui-même yo poko bay autorisation. Texas différent, li dit il n'y a pas autorisation pour bay ça. On dit que si on compagnie qui est au steak, bien entendu qui trouve la British en Angleterre, mais c'est une compagnie américaine qui est basée en Angleterre qui développe sanitaire ça son GMO. Toutes les fois que vous avez une espèce qui génétiquement modifié organisme, yo le GMO. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il a fait expérience génétiquement modifié. Il a fait sous d'autres animaux, tant qu'il a fait sous chat, il a fait sous cochon, il a fait sous poisson, il a fait sous souris tout. Donc ça n'est les espèces qui génétiquement modifié. Grand pile monde cap courir derrière bah ça yo manipulation des génomes humains, en fait des génomes animal, bien entendu, yo même gen intention fèl. Yo gen projet fèl sou nou tout, sou l'espèce humaine. Nan pile bay k ap pale, gen pile combat k ap fè pou pa arrive nan niveau ça. Yo gen projet fè modification génétique pour être humain tout nan avenir proche. Son façon que vous n'êtes capable de gagner ça des super bébés d'essayer de petit monde peut-être qui pas mal là dedans en fait. Bon, ça c'est des projets d'avenir qui grand pile monde a fait discussion sur yo ça d'arrêler et modification génétique de l'espèce humaine en pile monde contre lui, mais la science semble pas attendre pas gain oreille pour tendre y a poussé pour pied devant. Maintenant, yo dit que c'est depuis mois de juin que Florida te bay yon utilisation expérimentale. OK? Mais yo fait comprendre que c'est un projet qui l'a longtemps. Attendez bien, en parlant de projet ça yo dit l'a longtemps. Et yo dit que je crois que c'est depuis 2009. Depuis 2009-2010, ok, lorsque tu gagnes ça, tu as une explosion de fièvre dinglant, ok, et dans Florida, tu pas oublier qu'il y a une espèce moustique qui est Aedes aegypti qui baille et maladie ça. Et Florida qui, justement, tu es désespéré pour t'avoir une nouvelle option pour combattre espèce moustique ça qui bail la fièvre jaune puis vie maladie ça. Et Florida t'a utilisé ça dans les sprays dans les aerial spray dans truck ou ensemble de bagages pour combattre mosquito ça qui très dangereux et qui même dit lui même manger même poisson ils ont déjà attaqué en parlant de moustique ça. Et donc ils dit que ils pensaient que effort pas suffit parce qu'ils dépensent en pile cob pour contrôler espèce moustique ça qui bat toute maladie là. Et bien que ils dit espèce moustique ça c'est à peu près 1% dans la population moustique là, 1% dans la population moustique là. Et mais nevertheless, combien dépenser pour
pour contrôler, pour diminuer, il finit à peu près 1 million de dollars par année. Ok? Dans la bataille qui a fait 1 million de dollars par année. Et c'est ainsi que depuis 2012, il a été rencontré avec une compagnie, ça qui est l'Oxitec pour aider. La compagnie a développé un mal, en l'autre moustique, qui était presque même genre, qui était mort avant que les vignes. Grand, mais elle pas de bail trop résultat. C'est ça fait qu'on y a eu venir avec un autre type. Il y a beaucoup de gens à pouvoir là, il y a eu venir avec un autre type de moustique. Et qu'on y a. Mais il faut dire que depuis au départ, toujours il y a une bataille. Il y a à peu près 242 000 personnes jusqu'à aujourd'hui qui signent une pétition pour comprendre pour empêcher le projet à réaliser. Et donc il faut comprendre que et pas dit lui-même il a fait plusieurs années à investiguer impact que moustique génétiquement modifié était capable gagner sous les hommes avec son environnement et il dit il prend bon temps mais après toute l'évaluation il dit il pas pour problème. OK, parce que il faut comprendre que moustique ça il va permettre de touiller il va permettre tout les femelles et qu'a bail la fièvre ça, OK, espèce ça. Donc c'est ça que vous fait comprendre. Et donc et pas qui bail permis, hein, il a notifié state officiel yo 3 jours avant yo release li, OK. Donc c'est ça qui pral gagner la main update pour qu'a comprendre pour qui ça yo dit yo pral release. Eh bien, 750 millions. Mais on dit que tu as gagné des expériences de ce genre qui t'est fait dans d'autres pays, tant que le Brésil, qui t'a bail résultat. Donc voilà, et pour toute explication qui gagne, sous causé 750 millions moustiques qui ont lagué génétiquement modifié dans Floride. Bon, en tout cas, l'idée c'est que en pile monde. T'a posé cette question, c'est que est-ce que gain risque pour que espèce ça que yo dit t'a supposé mourir yo modifie il volita supposé mourir avant le mature, est-ce que pas gain risque pour que en pile là-dedans yo survive? C'est une question ça qu'a posé. Donc voilà guys, n'est pas te update ça pour nous sous causer 750 millions moustiques ça. Donc, restez branchés avec nous des informations additionnelles n'importe où pour nous. Bye bye tout le monde.